Okay, everyone, it is the first event of APEX 4 2021. Welcome, everyone. It is such an honor to be welcoming our events for this year all in person. Yes, woo! My name is Lynn Vartan, and I teach music. I teach all things drums in the music department, and I also curate the APEX event series. One of the beauties is to start off with a collaboration of this magnitude is such an honor, oh my goodness. And we are in collaboration with many different departments on campus. It is just such an amazing way to start our year. To introduce our most esteemed guests, I'd like to invite to the stage Stephen Allen. Good morning, everyone. It is my honor to be able to introduce our featured guest and speaker today. Her Excellency Denise Nyakero Tshisekedi is the First Lady of the Democratic Republic of Congo and was born in South Kivu of the Democratic Republic of Congo. She is married to Felix Tshisekedi, current president of the DRC. She is the mother of five children and five grandchildren. She obtained her diploma, BAC, in her home country and continued her studies in Belgium, where she subsequently began her career in nursing. I first met the First Lady in January of 2020. I didn't know what to expect. I was there with my colleague, Dr. Lambert Okito. Instantly, I was impressed by her warmth, her goodness, her vision, and principled leadership. This meeting was the start of a collaborative relationship between the First Lady's Foundation and Southern Utah University. This May, we welcomed five students from her foundation who enrolled at Southern Utah University. Her Excellency's Foundation is focused on areas related to health, education, and empowering women. She feels particularly passionate about issues related to women. In her words, quote, "I am for a dynamic Congolese society where women will be free, strong, valued, and will bring progress and an innovative look at work values, ethics, patience, and perseverance. I will always be at the side of women and girls in order to give them an opportunity to fully contribute to the real development of our country, the Democratic Republic of Congo." In May of 2019, Her Excellency was appointed to the United Nations Population Fund Goodwill Ambassador. She has also been named the World Champion for the Prevention of Conflict-Related Sexual Violence by the Office of the Special Representative of the Secretary General of the United Nations. Back to my first meeting with the First Lady in January of 2020. She presented me with some material about her foundation and a memento, and one of those mementos was very bold and beautiful fabric. And I kept onto that fabric, not knowing exactly how I would utilize this in the future. But last spring, when she accepted our invitation to come to Southern Utah University, I remembered that fabric, and I thought that it would be a wonderful way to commemorate her visit by making and having a shirt out of her foundation fabric. Doesn't it look great? I want to give a shout out to Shelby Luke. She is the artist that made this for me. Friends, we're in for a treat today, and I'm excited for you to get to know the First Lady better. And after my comments, we'll have a short video, and then the First Lady will come up and present a message. Thank you very much. Je suis Denise Nyakero. Je vais vous raconter une petite histoire. Ayant accompagné mon époux lors de la campagne électorale dans différentes provinces de notre pays, j'ai été au contact des hommes et femmes espérant un avenir meilleur, mais confronté à de nombreux défis. Au même moment, cette citation de John Kennedy résonnait dans mon cœur.
Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. Je me suis résolue à créer une structure pouvant m'aider à apporter ma pierre à la construction de mon pays, quels que soient les résultats des élections. Après l'annonce des résultats, j'ai su que j'avais une chance de porter haut la voix de ceux qui murmurent en silence, de parler à la place de celles et ceux qui ne le peuvent, de me battre pour celles et ceux qui ont perdu espoir. Un combat qui me tenait à cœur. C'est ainsi que le 17 mai 2019 a vu le jour la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, DNT en sigle. Cette fondation est d'abord l'expression d'un engagement. Un engagement pour l'amélioration des conditions générales de nos concitoyens. En tant que femme, épouse et mère, sachant quel peut être le rôle de la femme dans la construction d'une nation, sachant que mon pays ne se construira pas sans l'apport des Congolaises, j'ai tenu à ce que les questions d'éducation de la jeune fille et de la femme, leur santé et leur épanouissement soient des moteurs de cet engagement. Ainsi, l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre sont les principaux axes au cœur de notre action sociale. Ma vision s'inscrit donc dans la promotion d'une jeunesse congolaise porteuse d'espoir. Je crois en cette jeunesse et je suis persuadée que le plus grand investissement que nous devons faire, c'est en elle. C'est pour ça que l'un des projets phares de notre fondation est l'octroi des bourses d'études excellentielles aux finalistes du secondaire dans les meilleures universités du pays et à l'étranger, dans le but de façonner une élite pour notre grande nation. Quand j'ai vu les conséquences de la drépanocytose et quand j'ai découvert que mon pays était le troisième pays au monde le plus touché par elle, j'ai su quel serait mon combat dans l'axe santé de ma fondation. En 2 ans d'existence, je suis fière du chemin qu'on a fait jusque-là. Mais ceci n'aurait pas été possible sans l'accompagnement de nos nombreux partenaires qui croient en ma vision et qui témoignent d'un accompagnement sans faille de la fondation jusqu'à ce jour. Je les remercie sincèrement pour ce qui a été fait et espère que nous ferons encore plus ensemble pour le bien-être de notre peuple. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Please join me in welcoming the First Lady of the Democratic Republic of Congo. Mesdames et messieurs, chers étudiants, distingués invités. Hello. Ladies and gentlemen, dear students, dear distinguished guests. C'est pour moi un honneur particulier de fouler pour la première fois le sol de l'État de l'Utah et celui de la ville universitaire de Cedar City. It is a special honor for me to set foot on the ground on the state of Utah and the university town of Cedar City for the first time. Je vous remercie de tout cœur pour l'accueil chaleureux réservé à moi ainsi que toute la délégation qui m'accompagne. I thank you with all my heart for the warm welcome extended to me and to the entire delegation accompanying me. Toute ma gratitude aux autorités de l'université et plus particulièrement le département des affaires internationales de la Southern Utah University. All my gratitude to the university authorities and more particularly the Department of International Affairs of Southern Utah University pour son invitation à visiter l'université et de profiter de l'occasion pour présenter ma fondation dans les prestigieux cadres de l'APEX.
for their invitation to visit the university and take the opportunity to present my foundation within the prestigious framework of APEX. À vous aussi, chers participants, qui me faites l'honneur d'être activement présents, je dis merci. To you too, dear participants, who do me the honor of being actively present, I say thank you. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, FDNT en sigle, est une organisation non gouvernementale créée en 2019 afin de matérialiser ma vision dénommée plus forte. The Denise Nyakeru Tshisekedi Foundation, FDNT in short, is a non-governmental organization created in 2019 to materialize my vision called Stronger. Ma vision porte avant tout sur un éveil de conscience des filles et femmes congolaises, mais également africaines, sur leur potentiel indispensable à l'amélioration de leurs conditions de vie et situation actuelle. My vision is first of all, or foremost, to raise awareness among Congolese and African girls and women as well on their essential potential for improving their living conditions and current situation. Dans le but d'atteindre cet objectif ultime, la FDNT focalise ainsi son attention sur quatre axes principaux, à savoir. In order to achieve this ultimate objective, the FDNT thus focuses its attention on four main areas, namely. La santé, celle de la femme et de la famille, socle de toute politique efficace. Health, that of women and of the family, the basis of any effective policy. L'éducation, celle de la jeune fille et plus précisément celle des milieux défavorisés et vulnérables. Education, that of young girls and more specifically those of underprivileged and vulnerable backgrounds. La lutte contre toutes les formes de violence qui détruisent l'image de la femme à la fois pour elle-même et pour la société, et tendent ainsi à la dévaloriser en un dernier lieu. The fight against all forms of violence which destroy the image of women, both for themselves and for society, and thus tend to devalue her, and ultimately. L'autonomisation économique et financière de la femme congolaise, dernier maillon de la chaîne, car j'estime que seule une femme en bonne santé, bien éduquée et loin de toute forme de violence peut prétendre contribuer au développement de sa nation. The economic and financial empowerment of Congolese women, the last link in the chain, because I believe that only a woman in good health, well educated and far from any form of violence can claim to contribute to the development of her nation. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, compte près de 100 millions d'habitants dont la grande majorité est confrontée à des défis socio-économiques importants. Ouais. Ladies and gentlemen, the Democratic Republic of the Congo, a country of over 2 million kilometers square, has nearly 100 million inhabitants, the vast majority of whom face significant socio-economic challenges. Cependant, des efforts considérables sont déployés par le gouvernement de mon pays afin de le sortir de la spirale négative de pauvreté dans laquelle il a été entraîné depuis plusieurs décennies. However, considerable efforts are being made by the government of my country to lift it out of the downward spiral of poverty into which it has been drawn for several decades. La Fondation vient ainsi, et vous l'aurez compris, en appui aux préoccupations fondamentales de la population de mon pays. The Foundation comes in this way, and you will understand it, in support of the fundamental concerns of the people of my country. La croissance démographique ainsi que les problèmes structurels que connaît la RDC font craindre qu'un nombre important de notre population soit sous-éduquée d'ici 2050.
The demographic growth as well as the structural problems that the DRC is experiencing raise fears that a significant number of our population will be undereducated by 2050. Face à ce risque, dans le domaine de l'éducation, la Fondation a mis en place le programme dénommé Excellencia. Faced with this risk in the field of education, the Foundation has set up a place, the program called Excellencia. Ce programme consiste en la prise en charge des meilleurs finalistes congolais de l'école secondaire pour leurs études universitaires en RDC ou à l'extérieur par l'octroi des bourses d'études. This program consists of supporting the best Congolese finalists from secondary school for their university studies in the DRC or abroad by granting scholarships. Actuellement, nous avons 171 boursiers répartis géographiquement de la manière suivante. Currently, we have 171 scholarship holders distributed geographically as follows. 134 en RDC, 27 en France, 5 au Maroc et 5 aux États-Unis, plus précisément à Cedar City. We have 134 in the DRC, 27 in France, 5 in Morocco, and 5 in the United States, more precisely at SUU here in Cedar City. Nous ne cachons pas d'ailleurs notre ambition de tripler, voire quadrupler le nombre actuel des boursiers. We do not hide our ambition to triple or even quadruple the current number of scholarship holders. La FNDNT, avec ses partenaires, est en train de travailler sur un projet de soutien et d'accompagnement des élèves de secondaire brillants, mais des conditions modestes, afin de leur donner l'occasion de terminer ce cycle du secondaire en toute quiétude. The FNDNT, with its partners, is working on a support and accompaniment project for bright high school students, but in modest conditions, in order to give them the opportunity to complete this high school cycle in peace. En ce qui concerne la santé, la Fondation a ciblé une maladie génétique qui touche au moins 2% des nouveaux-nés et qui est l'une des causes majeures de mortalité infantile et maternelle dans mon pays. With regard to health, the Foundation has targeted a genetic disease that affects at least 2% of newborns and which is one of the major causes of infants and maternal mortality in my country. Il s'agit de la drépanocytose. It is sickle cell disease. La RDC est le troisième pays le plus touché, après l'Inde et le Nigeria. The DRC is the third most affected country after India and Nigeria. Notre stratégie actuelle consiste à intervenir, premièrement, dans la prise en charge des enfants drépanocytaires par un appui régulier en médicaments et de la construction d'un centre hospitalier moderne. Our current strategy is to intervene firstly in the care of children with sickle cell disease through regular drug support and the construction of a modern hospital center. Dans un second temps, nous nous investissons dans un plaidoyer permanent auprès des décideurs pour la prise de mesures courageuses devant améliorer les conditions de vie des drépanocytaires qui, rappelons-le, sont généralement issus des milieux pauvres. Secondly, we invest in permanent advocacy with decision makers to take courageous measures to improve the living condition of sickle cell patients who, let us remember, generally come from poor backgrounds. En dernier lieu, nous voudrions favoriser la recherche autour de cette pathologie afin de faire avancer la lutte pour une éradication définitive dans un avenir proche. Finally, we would like to promote research around this pathology in order to advance the fight for a definitive eradication in the near future. Durant la période de COVID-19, nous avons procédé à des donations de matériels médicaux d'une valeur de $250,000 américains à l'équipe de riposte
contre la COVID-19 avec le concours de l'UNFPA et de l'ambassade de Canada en RDC. During the COVID-19 period, we made donations of medical equipment worth $250,000 to the COVID-19 response team with the support of UNFPA and the Canadian Embassy in the DRC. La mise en place d'une chaîne de production de plus de 100 000 masques réutilisables pour les élèves et les enseignants. The establishment of a production chain of more than 100,000 reusable masks for students and teachers. L'appui aux structures de santé qui prennent en charge les drépanocytaires ou encore l'offre de la bourse de spécialisation en diabétologie des 31 médecins généralistes en partenariat avec la Fondation Merck. Support for health structures that take care of sickle cell patients or the offer of the specialization grant in diabetology of 31 general practitioners in partnership with the Merck Foundation. Mesdames et messieurs, d'autres freins à l'éclosion d'un leadership féminin affirmé dans nos pays sont les violences sous toutes les formes. Ladies and gentlemen, other obstacles to the emergence of a strong female leadership in our countries are violence in all forms, namely... Namely, early marriage, rape, harassment, genital mutilation, and so on. Je m'insurge contre toutes ces pratiques de notre temps. Mon engagement se trouve renforcé par ma désignation en décembre 2019 comme championne des Nations Unies pour la prévention des violences sexuelles en période de conflit. I protest against all these practices from another time. Les cas malheureusement fréquents des violences sexuelles dans les zones de conflit à l'est de la RDC ont conduit mon action et celle de ma fondation dans la prise en charge clinique des victimes, dans le soutien de leur santé mentale et psychologique, mais également par des initiatives visant leur réinsertion sociale. The unfortunately frequent cases of sexual violence in conflict zones in the east of the DRC have led my action and that of my foundation in clinical care of victims, in the support of their mental and psychological health, but also by initiatives aimed at their social reintegration. Avec le lancement de la caravane Génération Égalité en mars 2020, 948 femmes et filles ont été formées et sensibilisées sur leurs droits autour des questions de santé, d'éducation, du travail et de la justice. With the launch of the Generation Equality Caravan in March 2020, 948 women and girls were trained and sensitized on their rights around issues of health, education, work, and justice. Je mène actuellement un plaidoyer auprès des autorités et autres acteurs nationaux et internationaux pour la mise en place d'un fonds de réparation des victimes des violences sexuelles dans mon pays. I'm currently advocating with the authorities and other national and international actors for the establishment of a reparation fund for victims of sexual violence in my country. Sur la question de l'autonomisation économique et financière des femmes, la Fondation encourage l'entrepreneuriat des femmes pour réduire leur vulnérabilité économique, mais également encourage les décideurs dans la mise en pratique de la parité consacrée dans notre Constitution. On the issue of the economic and financial empowerment of women, the Foundation encourages women's entrepreneurship to reduce their economic vulnerability, but also encourages decision makers in the practice of parity in our Constitution. Aujourd'hui, grâce à notre plaidoyer, nous comptons 30% des femmes au sein du gouvernement, une femme à la tête de notre banque centrale, ainsi que les femmes, que des femmes dans son conseil d'administration, etc. Une femme pour mon pays en 61 ans d'indépendance. Une première dans mon pays en 61 ans d'indépendance. Today, thanks to our advocacy,
We have 30% of women in the government, a woman at the head of our central bank, as well as women on its board of directors, etc. A first for my country in 61 years of independence. Plusieurs femmes ont vu leurs revenus chuter drastiquement lors de la pandémie de COVID-19. Et pour ce faire, la Fondation a renforcé le capital de 2500 commerçantes avec un impact de 7500 ménages au total grâce à une augmentation de 30% de leur chiffre d'affaires. Several women saw their income drop drastically during the COVID-19 pandemic, and to do this, the foundation strengthened the capital of 2,500 traders with an impact on 7,500 households in total, thanks to a 30% increase in their turnover business. Dans le même ordre d'idées, nous avons procédé à la redynamisation et équipement de la maison de la femme dans la province du Congo central, la formation de 90 femmes agricultrices et entrepreneurs sur la culture et la transformation du manioc, le lancement des travaux de réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette à Kinshasa. In the same vein, we revitalized and equipped the women's center in Congo Central Province, trained 90 women farmers and entrepreneurs on cassava cultivation and processing, and launched the work of rehabilitation of the center féminine Marie-Antoinette in Kinshasa. Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos de ce jour, je voudrais insister encore une fois, avec votre permission, sur le fait que les ambitions que nous nous sommes fixées au sein de la Fondation sont atteignables avec le concours de tous et si toutes les volontés se conjuguent dans le même sens. Ladies and gentlemen, distinguished guests, before concluding my remarks today, I would like to insist once again, with your permission, on the fact that the ambitions that we have set for ourselves within the foundation are achievable with the help of all, and if all wishes are combined in the same way. En effet, nos actions ne sont pas restées sans effet, comme nous l'avons quelque peu présenté précédemment. Nous pouvons compter quelques belles réalisations à ce jour, mais le chemin reste encore long. Tout ceci a été fait avec l'implication des personnes partageant notre rêve pour la femme congolaise et je ne sais pas imaginer faire le reste de la route seule, car ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Je vous remercie. Indeed, our actions have not remained without effect as we have somewhat presented previously. We can count some great achievements to date, but there is still a long way to go. All of this was done with the involvement of people who share our dream for the Congolese women, and I can't imagine doing the rest of the road alone, because together we are much stronger. Thank you. We have one more joining us on stage, and as he's getting situated, thank you so much. Thank you for having me. I first want to say from everyone seated here and everyone in Cedar City, what an honor it is for you to be here with us. Thank you. La première chose avant de commencer, c'est au nom de toutes les personnes ici à Cedar City, c'est de vous avoir et on vous dit merci. C'est moi qui les remercie. C'est moi qui dis merci pour l'accueil et pour toutes ces personnes que je vois ici autour de moi. Je suis très émue. Merci beaucoup. I'm the one thanking you for having me. And welcoming me, having me here, seeing all of you, I'm very happy and thank you.
I also want to say thank you for your message, thank you for your passion, and thank you for your generosity. What you are doing is amazing and so inspiring to us. Je voudrais vous dire merci pour votre message fort, pour votre engagement, votre générosité, parce que ce que vous faites est simplement extraordinaire. Merci beaucoup. Thank you. We feel so special to be one of the schools that are beneficiaries of the scholarship. And I think that we have all of the scholarship students here. We would love to just have them stand and acknowledge the 5 students that are here pursuing their education on behalf of the foundation. So if we could just say and give them a round of applause. Les boursiers. Nous sommes heureux d'être parmi les universités qui comptent vos boursiers. Et donc nous voulions saisir l'occasion de leur demander de se lever pour que l'Assemblée les applaudisse. Ils ne sont pas là? I think they sat already. Ils ont peut-être cours alors. Yeah, they are maybe probably in the classroom. Well, I hope they're here. Yeah. We just have an opportunity for a short conversation and to have some more casual remarks. This is your first visit to Cedar City, I think, and I would love to know, what are your impressions of Cedar City and Utah? Ceci est une occasion pour nous de continuer la discussion, une petite conversation, et je voudrais saisir l'occasion, puisque c'est votre première visite ici à Cedar City, quelles sont vos impressions? Je trouve que c'est une ville agréable qui peut favoriser vraiment l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont s'adapter comme il faut ici dans cette ville, je suis rassurée. I think for what I've seen, it's a welcoming city, and I have no doubt that our students will be integrated and evolve, develop themselves in a good condition. Mm. Do you have any memories so far from your visit to share? I think you went maybe in a helicopter and did some sightseeing. Est-ce que vous avez eu un moment mémorable depuis votre visite ici que vous voudriez aussi partager? On sait que vous avez pris un hélicoptère. Oui, en effet, c'est vraiment une expérience qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais toujours eu peur. Mais hier, j'ai bravé ma peur et j'ai trouvé que c'était agréable. Exactly. I'm afraid. I was afraid of taking an helicopter. It's my first time, and I'm very happy to have done that. It's a great experience. Je pense même peut-être je reviendrai pour apprendre. I think that I may come back to learn how to. Yes, to drive we can. We can help with that. All right, you heard it here, Aviation Department. Get ready. That's fantastic. Thank you. You are welcome anytime to any classes thank and any events. Donc vous êtes la bienvenue. Donc n'importe quel cours dans n'importe quel département ici à l'université. In watching your video and hearing the accomplishments you have made so far, you have done so much, and it was amazing to hear all of the forward motion that you have made. En regardant votre vidéo, nous sommes impressionnés de ce que vous avez pu réaliser aujourd'hui. C'est impressionnant. And so, my next question is there a particular memory or special moment from your time as First Lady so far that you might share with us? Alors, ma question est de savoir, depuis votre accession au rôle de première dame, est-ce qu'il y a un moment mémorable que vous souhaiteriez partager avec nous? Je pense que je parlerai plus de la concrétisation de mon projet Excellencia, qui est, j'ai vu naître il y a 2 ans maintenant, et que je continue à voir grandir. Ça me va droit au cœur, enfin, ça me donne la force de continuer. I think that one of the key, achievement as a first lady is the realization of the Excellencia program, which brings me here,
Seeing it from scratch, it was a dream. Coming to reality is something that's pushing me every day to continue. Fantastic. With that striving to achieve, there must be many challenges. And I wondered, what is your greatest challenge, or if you prefer, the greatest challenge that the DRC is facing right now? Dans cette volonté de réaliser tout ce que vous faites, je peux m'imaginer qu'il y a des difficultés, des challenges qui surviennent. Alors, pourriez-vous nous dire quelle est la difficulté majeure que vous rencontrez, ou plutôt, quelle est la difficulté que votre pays, la République démocratique du Congo, rencontre? Bon, les problèmes sont quasi les mêmes dans tous les pays. En particulier chez nous, en RDC, je pourrais dire, le défi majeur, c'est l'éducation. Notre président a instauré la gratuité de l'enseignement. Et comme je l'ai dit dans mon reportage, et je le dis toujours, je soutiens la jeune fille et j'encourage la jeune fille à aller à l'école. C'est une occasion pour moi de voir ces femmes, toutes ces enfants, les jeunes filles qui peuvent aller à l'école gratuitement. The problems are, quite the same in our countries, but I think that one of the issues, the biggest issue we are currently facing, is the access to education, to good education, affordable education. The president, the head of state, have decided to make the primary school free of charge, and I'm very happy. To see girls going to school, having the possibility to develop themselves, it's one of the things that's amazing me. Thank you. Do you have, related to that, any advice for us, for the people, of how to help support that? From, is there anything we can do to help or support or share knowledge? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que nous pourrions faire pour aider, accompagner par rapport à la résolution de ce défi? Justement, nous avons ce partenariat que je compte quand même, sur lequel j'espère qu'on continuera par rapport à l'éducation de la jeune fille. We already have this partnership with the university. I think that make it more fruitful, and then for the good of the women of my country. And for our audience, some of you may be very familiar with this partnership, but if anybody wants to get involved and wants to share in this exploration, I definitely check in with the Office of International Affairs and continue to help make this great work happen. That would be another way to get involved here too. Oui. Thank you for that. À tous les participants, vous avez peut-être eu connaissance de ce partenariat, mais si l'un d'entre vous veut y participer d'une manière particulière, elle est ravie de les mettre en relation avec le département des affaires internationales pour y contribuer. Thank you. Thank you. And we on campus are having some very wonderful conversations. We are discussing many aspects of diversity and inclusion on campus right now. Sur le campus, il y a plusieurs questions qui émergent. Et l'une des questions, c'est sur la diversité la diversité et l'inclusion au sein du campus. And one area where we continue to have powerful conversations is about women in the workforce, which I know women and their education and their work is a powerful part of your mission as well. Et l'une des questions principales ou récurrentes, importantes, c'est la place de la femme dans le milieu du travail, la fille ou la femme, sachant aussi que c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. You have talked about your work in this area, but I wonder if you have any advice or suggestions for us as we continue to have these conversations locally, nationally, and globally. Nous savons que vous avez accompli beaucoup de choses dans ce domaine-là. Est-ce que vous aurez un conseil, une suggestion
pour nous qui continuons à rencontrer ces problèmes-là, qui est un problème national, international, un problème global, mondial. Est-ce que vous aurez un avis, un conseil, une suggestion ? Je dirais, pour moi, j'encourage. Je continue à encourager la femme. Ça, c'est par rapport aux femmes, je pense. Oui, la femme a l'accès au travail. Oui, voilà. Donc, j'encourage toujours la femme à penser positive parce que j'estime que le monde ne peut pas se faire sans les femmes. Et j'encourage justement dans mon pays toute femme à suivre une formation, à les accompagner même à trouver un emploi. Et à chaque fois que je fais mes déplacements dans le pays, je prends le temps de sensibiliser les femmes, la jeune fille en particulier. Et je trouve que ça va bien parce que j'estime qu'une femme peut aussi occuper des postes à haute responsabilité. J'ai vu ici, j'ai fait la connaissance du maire de la ville de Utah. C'est très encourageant pour mon pays. C'est un exemple. Nous avons maintenant une femme gouverneure à la Banque centrale. Nous avons eu il y a quelque temps une femme à la tête de l'Assemblée nationale. En tout cas, point de vue de notre plaidoyer, on a vu quand même que les femmes s'imposent quand même dans la vie actuelle. To me, the matter of having women in the workforce, it's key. Because to me, we cannot think of any development of our countries without women. Women are made at the majority of the population, so we cannot think of any development without women. Yeah. I take always the opportunity to raise awareness to girls and women I meet during my journey of visits in up countries, villages, cities, to let them know they can achieve something bigger. If they want to. Today we have a woman as a governor, head of our central bank. A few months back, we had a woman heading the House of Representatives. And I've met one lady who's actually running the city of Cedar City. Le maire, right? I think that we can achieve more, and we have to continue raising awareness to women, to girls we meet, to let them know they can achieve big dreams. Thank you so much. I love that. Merci, j'apprécie beaucoup. This question is another powerful conversation that we're having, and that is about the balance of life in students. Students are always juggling so many things. Une autre question qui est tout aussi importante, c'est sur l'équilibre de l'étudiant, de sa vie étudiantine, et trouver le bon équilibre, parce que les étudiants jonglent un peu sur leur vie en dehors des études et leur vie au sein du campus. And so we were wondering, because you must have a challenge balancing your life and stress and everything that you're doing, do you have any advice on how to balance life and the stresses of daily life? How do you do it? Vous qui assumez des responsabilités aussi stressantes, on imagine que vous avez aussi développé des capacités d'équilibre. Est-ce que vous aurez un conseil, une suggestion à nos étudiants par rapport à l'équilibre qu'ils doivent trouver entre la vie des études et leur vie de tous les jours? Bon, je vais répondre simplement. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Personnellement, j'ai du travail, mais je sais équilibrer entre ma vie de femme, mère, femme, et ma vie de première dame. Donc, il faut savoir faire un équilibre dans tout ça. To me, it's simple. Life is already complicated. You don't have to make it more complicated. I made a difference between my life as a spouse of the head of state, mother, and my life as a first lady. There are two different things. You have to be sure to balance between the two. And
fully be involved and committed in each of the roles we are playing. Oh, that's incredible advice. Thank you. Along those lines, do you have any other general advice for students? You have the opportunity to speak to all kinds of students here in all areas. Any other advice you'd like to share? Vous avez l'occasion de parler à plusieurs catégories d'étudiants. Est-ce que vous aurez un conseil général autre que ce que vous avez dit à leur prodiguer? Bon, je pourrais leur dire la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Chaque pays ici, je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers ici, qui sont ici comme étudiants. J'estime que vos pays ne peuvent pas avancer sans vous. Vous êtes l'avenir de demain. Je vous encourage à faire la part des choses. C'est vrai qu'il y a un temps pour tout, un temps pour étudier, un temps pour se détendre, mais plus regarder vers l'objectif qui vous a emmené ici. I know that the students are coming from different countries, mm-hmm. Different areas. I know that the youth is the future. Knowing that, you have to be concentrated, to be focused on what brought you here, to learn, and then to bring your knowledge back to your country and contribute to the development of your country. I know it's difficult. You are young. You have time to study. You also have time to enjoy. But you have to be to bring that balance into consideration in the table. And don't forget the focus and what we have brought you here. I really appreciate that dual message of focus and balance. Elle apprécie ce double. On va dire mot l'équilibre. Ou voilà réalité de l'équilibre et de la concentration. I have just one more official question, and then if you have any other remarks, you are most welcome. J'ai une dernière question à poser, et si vous avez un autre mot en plus de ce que vous avez dit déjà, vous aurez le temps de le faire. Today, you have provided us with inspiration from your personality, your mission, your vision. So thank you for that. But I would like to know, what gives you hope? What gives you inspiration? Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de nous présenter la personne que vous êtes, ce qui vous motive, votre vision et votre façon de voir les choses. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Mais ma question est de savoir, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? C'est l'assurance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je suis une femme de foi et je sais que demain sera meilleur. Simply, what gives me hope is that tomorrow will be better than today. Ah. I have that assurance. I'm a woman of faith. I simply think that tomorrow will be better than today. Thank you. Incredible. That concludes the prepared questions. Is there any parting comments or anything else that you would like to share with our audience as we conclude? Merci beaucoup. Merci de votre temps, de vos réponses. Votre dernière réponse finalise cette session de questions-réponses. Mais avez-vous autre chose à ajouter en plus de tout ce qui a été dit ici? Je vais d'abord m'adresser aux étudiants. Je réitère encore mes encouragements. Vous êtes l'avenir de demain, donc vous devez vous battre, exceller, comme le dit mon programme Excellencia, aller de l'avant et surtout rester focus ce pourquoi vous êtes ici. Ma deuxième. Oui. The first, my remark will go to the students. I'm coming back to what I've said before. Don't forget what brought you here. Be focused, and you are the future. Don't forget it. Alors, j'encourage aussi les jeunes filles étudiantes à étudier dans les STEM. C'est très important pour l'avenir de demain. Le futur ne se fera pas sans. Donc, ce serait bien que les filles aussi participent à ce genre de process. Je veux dire. Yeah. For girls who are here, I'm encouraging you to embrace STEM program, science, technology, engineering, and mathematics, because it's the future. And again, we need more women involved in that program.
Alors, je dirais aussi un mot à tous les responsables. Merci. Merci pour l'accompagnement de nos jeunes. Merci pour l'accueil. To all the authorities of the university, thank you for l'accueil. Oui, l'accueil, l'accompagnement pour les élèves. Okay. Thank you for everything you are doing for the students, for the welcome, for everything you are doing. Thank you. Merci. Thank you. And on behalf of all of us, I'd like to also say thank you to you for your help today. Thank you. And it is with incredible honor and respect that I say thank you so much for taking the time today. It has just been a very huge inspiration. Merci beaucoup. Je vous remercie de ce moment. C'est vraiment, ça a été un moment très inspirant. C'est moi qui vous remercie. Thank you all, and we'll see you next week.